reborn. Chaos reborn. Ha! Wow! Bonjour everyone! Comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Ah! Je veux de voir quelque chose. Je n'ai jamais vu ça. Dans la vie réelle. Hein? Même à la télévision. Je n'ai jamais vu ça. Je n'y crois pas. 8 personnes sur une moto matin bonheur là. Vous allez où? Hein? Kesha! Attendez. Venez, allons au studio. Je vais vous montrer ça. Et vous allez me dire si vous avez déjà vu ça dans la vie réelle. Parce que moi, au nom de Dieu, j'ai jamais vu ça. Parce que ça, c'est extraordinaire. Vous voyez ça? 8 personnes sur une moto. Apparemment, c'est une moto de transport en commun. Vous voyez ça? Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais hein? C'est quand même dangereux. Hein? Ou ben, regardez bien. Vous voyez ça? Même Yos Reborn est étonné. Ouh. Regardez les gens là-dessus. Ouais. Commencez à compter. Ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, plus le conducteur, ça fait 8 personnes. 7 plus 8. Vous voyez ça? Et c'était filmé. Je vais vous montrer la vidéo maintenant, là tout de suite, soyez prêts. Parce que c'est extraordinaire. Vous voyez ça? Vous voyez les gens? Voici comment ça a commencé. Les gens étaient là avec moi, en train de regarder la situation. Quand une moitié, puis la deuxième. Et ça continue. Waouh, regardez. Hein? 1, 2, 3, 4. Cinquième personne. Puis. Sixième personne. Et puis le gars, il regarde bien, il contrôle bien. Hein? Et puis, la septième personne. Regardez où les gens ont positionné leurs pieds. Regardez où ils ont positionné leurs pieds. Ouais. Comment ça s'appelle ce fer là où on positionne ses pieds comme un escalier là? Qu'est-ce que c'est? Hein? Vous voyez ça? Même celui qui filme est surpris. Ouh, il démarre la moto! Démarre la moto! Vous avez bien vu ça. Regardez. Regardez très très bien. Bien, voici ce que j'ai vu. Hein. Ça m'a tellement étonné. Je me suis dit, voilà, je vais partager ça avec vous. Puisque c'est une sortie en soupant, à cet adage tout. Ha! Dès que le vendeur arrive, soyez prêts! Il y a du loup! Du terrain loup qui arrive là-bas! Soyez prêts! Si vous n'êtes pas abonné pour vous activer la cloche, vous verrez bien que vous allez activer la cloche sur ses oreilles. Pour ne pas manquer la prochaine vidéo.
Quand j'ai vu ça, la première chose, c'est que j'ai été choqué d'abord. J'ai été choqué parce que vraiment, c'est quand même 8 personnes. Sur une moto TCC, il prend combien de personnes? Je pense 3 personnes au maximum. Hein. Donc, ça m'a un peu surpris. Et la deuxième chose, c'est que je me suis dit, waouh, ça peut être dangereux, hein? Ou bien, ça peut être vraiment dangereux. Ça peut être vraiment dangereux. 8 personnes sur une moto. Heureusement que le conducteur a son casque. Mais ça, on ne se souhaite jamais. Quand ça tourne un peu mal, c'est comment? Comment ça se passe? C'est bizarre, hein? Mais quelle idée de faire une moto avec 8 personnes? Mais disons comme ça, là, fabriquer cette moto-là avec 3 roues, ce serait un peu plus sécurisé, quoi. Ouais, non. Moto comme ça avec 3 roues, 8 personnes derrière, ou bien 4 roues, tranquille, ça passe. Mais 2 roues comme ça. Tchèè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 è